Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures et notamment de trois romans que j'ai lus. Alors, je vais commencer avec un roman que j'ai terminé ce matin et que j'ai dévoré en deux jours. Vous verrez, c'est pas du tout le genre que je lis d'habitude. Je l'avais vu comme recommandation sur une autre vidéo YouTube d'une youtubeuse anglophone qui recommandait des livres audio. Et j'ai été tentée notamment par le synopsis, puisque ça raconte l'histoire d'une famille vietnamienne qui habite aux États-Unis. Et en fait, la mère décide de revenir à Saigon pour trouver une épouse à son fils qui est autiste. Voilà, vous l'avez deviné, il s'agit d'une romance. Et je pense que vous avez deviné les thématiques qui m'ont intéressée dans cette histoire. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était aussi le premier livre audio que j'écoutais en anglais, parce que je les ai souvent écoutés en français. Et d'ailleurs, j'ai la plupart du temps pas aimé et pas accroché. D'ailleurs, j'étais en train d'écouter un autre audio livre qui était L'Arbre Monde de David Powers, qui avait remporté, il me semble, le prix Pulitzer il y a en 2019 peut-être. C'était un très bon roman qui faisait quand même 21 heures de lecture. C'est un petit pavé. Et malheureusement, je ne l'ai pas terminé, je me suis arrêtée à la moitié parce que j'en pouvais plus. Et je pense que c'était notamment à cause de la narratrice. Mais ce qui était bien avec le site Audible, c'est que si vous n'aimez pas un audiolivre, vous pouvez le rendre et en prendre un autre sans rien payer de plus. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais aussi remarqué que les personnes qui lisent en anglais étaient très très accros aux audiolivres. Très accro aux audiolivres, et du coup j'ai fait ma petite recherche et là j'étais stupéfaite en fait de voir que les audiobooks en anglais, ben ils étaient lus par genre Tom Hanks ou encore les auteurs et les autrices elles-mêmes. Donc voilà, c'était souvent lu par des personnes qui étaient de bons performants, on dit. Soit des acteurs, soit des auteurs et des autrices. Et je pense que c'est pour ça que ça doit marcher beaucoup plus qu'en français, je crois. Après, voilà. En tout cas, je l'ai écouté, j'ai adoré, il faisait 10 heures. Et je l'ai écouté en genre 2 jours. C'était bien, et puis c'est tout, c'était bien, c'était divertissant, j'étais accro à l'histoire, et là j'étais un petit peu triste de savoir que c'est bon, je l'ai terminé et que je vais pas le relire ce soir, l'écouter. Mais bon, voilà, c'était une bonne lecture, c'était chouette et j'ai bien aimé. Ensuite, juste avant, j'avais lu L'ignorance de Kundera. Mon Kundera de cette année. J'ai beaucoup aimé. La personne qui me l'a offerte m'avait dit peut-être que ça va te parler par rapport à ton expérience au Vietnam et par rapport à ton rapport au voyage et au patriotisme et puis toutes ces thématiques-là. Et je pense qu'elle a vu juste parce que il me semble que c'est le premier Kundera que je lis et dont je suis capable de parler. Et dont je me souviens d'une façon concrète. Voilà, parce que je sais pas vous, mais moi les Kundera, je les adore. Je pense que je donne une note de 5 sur 5 à tous les livres que je lis de lui, mais à la fin j'ai beaucoup beaucoup de difficultés d'en parler. C'est très compliqué, je trouve, de parler des livres de Kundera. Mais là, peut-être parce que ça me parlait plus, c'était du coup plus concret pour moi. L'ignorance, et en fait, ça parle de personnes qui ont quitté leur pays natal, notamment la République tchèque, pour aller vivre soit en France, soit aux Pays-Bas. Ce sont des personnes qui ont quitté leur pays soit par choix, soit par obligation. Il y a en fait toutes ces questions qui se posent, ce rapport à son pays natal, ce rapport au patriotisme, cette question du retour qui est tout le temps posée, est-ce qu'on retourne à l'autre pays ou pas, le fait de cette nostalgie qui naît par rapport à son pays, en même temps quand on y retourne il y a une autre nostalgie qui naît par rapport à l'autre pays où on était,
Il y a beaucoup de dialogues entre ces personnes qui sont parties et celles qui sont restées. Voilà, et comme toujours avec Kundera, tout ça sur un fond un petit peu politique, communiste, voilà, un petit peu, on est baigné dans l'histoire de l'Europe de l'Est à une certaine époque. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, comme je l'ai dit sur Goodreads, je trouve que des fois je trouvais que par certains aspects, ce roman-là en tout cas, je ne vais pas dire tous les romans de Kundera, mais je ne serais pas étonnée que ce soit le cas, par certains aspects, ce roman-là aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu dépassé parce que certaines idées qu'il présente et qu'il les présente comme des idées un petit peu osé ou controversé ou qui représenterait un petit peu une minorité, ben aujourd'hui c'est pas le cas, c'est même l'inverse. Ce qu'il présente comme exceptionnel aujourd'hui ne l'est plus, sans parler d'un autre point que j'avais pas beaucoup aimé, c'est le rôle, c'est la passivité des femmes dans ce roman-là. Mais bon, j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé quand même l'ignorance et voilà, c'est peut-être, quelqu'un m'avait dit, c'est pas son meilleur, je sais pas, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et enfin, avant ça, j'avais lu un roman d'un auteur chinois. Je suis très heureuse de l'avoir lu. L'auteur c'est Yu Hua et le livre c'est Vivre. Je l'avais pas trouvé en français, du coup je l'avais lu en anglais. Il est plutôt accessible. Et c'est une histoire qui se déroule en Chine pendant tout le XXe siècle. Et on va suivre l'histoire d'un garçon qui est issu d'une famille qui était riche à la base, mais qui va devenir pauvre à cause de lui. Il va mal gérer. Et puis tout de suite après, la Chine devient communiste. Et à ce moment-là, donc on va vivre avec lui tout ce chamboulement, le fait de basculer vers. Voilà, il était propriétaire, il devient simple paysan. C'est l'État, je ne sais même pas si ça s'appelle l'État ou autre chose. Content dans ce régime communiste, mais voilà, vous avez compris, l'État qui va diviser les terres en parts égales, donc la propriété n'existe plus. Donc voilà, c'était super, j'ai bien aimé. Il est plutôt triste, il y a beaucoup, plutôt tragique, il y a beaucoup de catastrophes qui se passent, il y a beaucoup de personnages qui meurent, mais c'est quand même assez drôle et j'ai été très surprise par le style, en fait, par la familiarité du langage. Il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais. Et ils sont pas du tout dans le conservatisme. Non, ils sont tout le temps. Les personnages sont tout le temps en train d'insulter à tort et à travers. Et des insultes qui sont très. Je ne sais pas si on dit urbaine, mais c'est du langage de rue et actuel. Ce qui était aussi un peu perturbant. Voilà, déjà entendre des insultes contemporaines chez des personnages chinois dans des petits villages au début du XXe siècle, c'était assez drôle. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et je pense que Yu Hua fait partie des auteurs chinois les plus célèbres et ça m'a donné envie de découvrir d'autres auteurs de la littérature chinoise. Voilà, donc là on va suivre l'histoire sur plusieurs générations et voilà, c'est une histoire de famille. Voilà, il est assez court. En e-book, je pense qu'il faisait 290 pages. Je sais pas combien ça fait de pages en papier, mais voilà, ça se lit bien. Et je lirai bien d'autres livres de Yu Hua. Sinon, maintenant, je suis en train de lire et je suis contente d'aimer. Enfin, espérons que ça dure, parce que j'ai abandonné pas mal de livres dernièrement. Je suis en train de lire Zebu Boy de Aurélie Champagne. Voilà, chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est une histoire qui se déroule à Madagascar en 1947.
C'était assez difficile au début, voilà, parce que je ne connais pas du tout le contexte, ni la culture, ni le pays. Et voilà, donc ça, on a besoin d'un peu de temps pour s'habituer et se familiariser un peu et prendre un petit peu ses repères. Mais j'aime beaucoup pour l'instant, il n'est pas très long. Un autre bon point, il fait, je pense, 250 pages. Voilà, et je suis aussi en train, j'ai commencé un essai. En e-book, ça s'appelle Ça s'appelle Weird But Normal de Mia Mercado, qui est une autrice, une jeune autrice, je pense qu'elle a 30 ans aujourd'hui, qui est moitié asiatique, plus précisément des Philippines, et moitié blanche, et qui vit aux États-Unis. Et voilà, elle va raconter un peu. En tout cas, ce que j'ai lu pour l'instant, elle raconte un petit peu son ambiguïté raciale et toutes les histoires qu'elle a vécues aux États-Unis pendant toute sa vie à cause de cette mixité. Voilà, j'aime beaucoup et j'espère que je vais continuer à apprécier mes deux lectures. Et voilà, je suis contente, cette vidéo, elle est hyper courte. Je vous souhaite passer une bonne semaine, faites de bonnes lectures, bonne rentrée littéraire. Je n'ai encore rien lu de cette rentrée. Je pense que je vais le faire petit à petit. Voilà, faites de bonnes lectures, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!